tous. Amen. Et je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon, vous savez que j'ai cherché. Là, je ne peux plus changer les habitudes, qui c'est plus longtemps. Être lié au micro, c'est plus difficile. Si vous aviez, oui, c'est mieux. Parce que ça, ça m'aide. Ça, ça me bloque. Je suis imbloquable. Ok. Nous sommes très heureux de recevoir ces nouvelles ce matin, de ce que notre Dieu et notre Sauveur, notre Seigneur, a fait hier dans la personne de Fréja dont on a parlé. La guérison est notre partage. Amen. C'est notre droit depuis notre temps. Et nous glorifions Dieu. Dans notre cœur. Ça ne peut pas passer inaperçu. C'est un événement de taille. Et surtout que cela se passe parmi nous. Vous savez bien aimé qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a encore des gens, tout en étant chrétiens, qui rejettent la guérison divine. Les témoins de Jéhovah ne croient pas à la guérison divine. Vous savez que dans cet âge, il y a eu cela le 24 janvier 1950. Vous voyez la photo de William Branham avec la colonne de feu sur la tête. L'événement, c'était ici. L'événement, c'est Dieu qui a occasionné où il a permis que la colonne de feu soit sur la tête de William Branham. Je rappelle brièvement, parce que nous parlons de la guérison divine, il y avait justement des prédicateurs, des gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui disaient que, comme les catholiques les disaient en tant que le temps des miracles est passé. Ils ne croyaient pas au miracle, guérison divine en particulier, que William Branham opérait. Il disait que c'était la psychologie, que ce n'était pas la réalité. Et cela était tellement important qu'il y a eu confrontation à la date que je viens de dire, le 24 janvier 50, confrontation entre, d'une part, les groupes de ces prédicateurs qui avaient organisé une manifestation. Il y avait 8000 personnes à Houston, ici aux États-Unis. 8000 personnes dans les locales pour assister à cela. Alors, les prédicateurs debout, qui étaient préparés pour prendre la Bible et casser les essences de la guérison divine, et d'autre part, ce n'était pas Branham, mais les frères Oswald, je ne sais pas comment prononcer, non? Oswald, comme vous le prononcez, pas. Hein? C'est pas Mutombo ou Yilonga, c'est. Bon. Et qui était aussi avec les autres pour dire non, la guérison divine existe. Et ils ont discuté la soirée là, et vous savez, à ce moment-là, les journalistes sont là pour prendre des moments. D'émotion et on a discuté. C'est après qu'ils avaient fini que les uns soutenaient que la guérison divine n'existe pas et que d'autre part, ceux qui étaient avec Branham disaient que la guérison divine existait, que après cela, Frère Branham qui était là, prié dans sa simplicité, il est monté après pour dire il n'y a pas de discussion à faire. Si Dieu m'a envoyé, lui-même prendra la défense. Je n'ai pas venu discuter ici. C'est le petit mot qu'il a dit. Et là-dessus, les gens ont pris aussi des photos. Et cette soirée-là, ils sont allés développer
et on n'a vu aucune ville. Quand Dieu avait fait disparaître tout, il n'y a eu que cette photo sur la terre, il y a maintenant qui est sortie, pour dire que la guérison divine existe. La guérison divine est notre héritage. Et nous, Amen. Nous soutenons que Dieu a guéri et que son nom soit glorifié. Amen. Alors, nous continuons notre sujet. Yeah. Merci pour merci aux frères, pasteurs, de vous réjouir. La date ne fait que changer, ce n'est pas les trois. Hein, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas. On vient de me l'annoncer aussi dans la voiture en venant ici. À nous tous, c'est Luc qui arrange, je me dis que ce n'est pas les trois, c'est les deux. Mais ce n'est qu'un jour avant. Parce qu'il faut la correspondance pour ne pas rester 8 heures à Paris, mais pour abréger, je vais aller là, je vais trouver ça. Les deux ou les trois séparés. Mais j'ai mon temps pour dire quand même quelque chose. En rapport avec cela, peut-être que nous n'arriverons pas là. Parce que nous vivons le retour de Jésus-Christ. Amen. Et même avant le retour, qui dit que nous serons tous au retour? Je me rappelle un événement de taille. Cela s'est passé en 2006 ou 2008, je ne m'en rappelle plus, au Congo. On attendait aussi... Je devais aller dans mon service où j'étais, je devais aller à remplacer ou assister notre médecin. Nous, on était à Kolwezi, le médecin était à Lubumbashi. Lubumbashi, ça faisait combien? 300 km. Et on m'avait demandé d'aller assister, renforcer les services de pédiatrie. Et pendant que j'étais avec un médecin très brillant, il s'appelait Mouyou. Bouille, c'était un pédiatre. Et quand j'allais, je parlais avec lui, il était content, il me dit comme ça, c'était un jeudi, je me rappelle, jeudi après-midi. Il me dit, vous savez, docteur Mbille, si vous n'aviez pas accepté l'ordre de faire venir rester avec moi, pendant ce temps, moi, je n'avais pas accepté de rester. Là, je camine, c'est une société. Je ne peux pas me sacrifier, travailler seul sur autant de malades. J'allais carrément refuser parce que vous savez, vous travaillez bien, c'est tout ça, pour vous venir de Dieu, de la société. Mais un jour, quand vous êtes mort, quand vous n'êtes plus là, la société ne vous connaît pas, vous êtes un numéro, on vous remplace par quelqu'un d'autre, on vous cache et puis on vous oublie. Votre femme et vos enfants, vous pouvez souffrir, ils ont tout oublié. Mouyou qui parlait avec moi comme ça, et le département venait de me demander de venir l'assister. J'ai dit que nous étions jeudi. Alors Mouyou disait, quand tu meurs, vous voyez, c'est là où tout le monde vient, courant de fleurs là-bas, discours, de bons discours, et puis après, c'est fini, on t'a oublié. Hein. Et on prend quelqu'un d'autre. Et c'était jeudi, je vous dis que mardi, on a enterré Mouyou. Avec des couronnes, exactement ce qu'il avait dit. Qu'est-ce qui est arrivé? On s'est dit au revoir le jeudi, je vais à Kolwezi, j'ai dit aussi au revoir à l'église dimanche, et on s'était convenu que lundi nous commencions ensemble le service. Et alors, le dimanche, pendant que j'étais allé Cassie chez Annie et Alex, le soir, Mouyou était venu aussi se promener à Cassie. Et il est rentré à Lubumbashi le soir-là avec ses deux enfants. À l'entrée de Lubumbashi, un accident de véhicule, il meurt sur place. On amène le corps à la mort. Et alors le soir-là, c'était exactement le moment où je devais quitter les cassis chez eux pour aller à Lubumbashi. Et alors, si vous savez, de nouvelle comme ça, au téléphone, oh, il y a un médecin pédiatre de la Gécamine qui est allé à Lubumbashi, qui a fait un accident mortel. À quelle heure?
vers 17h-18h. Exactement l'heure que j'avais donnée chez nous en disant à 7h, je vais quitter les casiers. Alors, comment s'appelle cet homme qui était un médecin, qui était pédiatre, qui était à cette heure-là? Il s'appelait Mbouyou. Et au téléphone, billet Mbouyou, vous voyez ce que ça signifie. Et tout de suite, la nouvelle était partie, tout le monde, docteur Mbouyou, mort sur place, en attendant. Et alors, ma femme, tout le monde a poésie, là, elle pleure. Avant qu'on arrive, non, ce n'est pas Mbouyou, ce n'est pas Mbouyou, c'est Mbouyou. Mais la leçon que j'ai retenue, parce que nous, tout ça, c'est l'histoire, c'est que on a enterré Mbouyou là, mardi, et j'étais dans la blouse avec les autres médecins au cimetière, et nous étions là. Mbouyou n'était pas un ami particulier. Mais quand j'ai regardé comment le cercueil allait dans la tombe, un homme qui était très brillant, qui avait le caractère, on l'aimait beaucoup. Et même j'avais dit, je vais travailler avec toi. Je suis pédiatre, mais disons, tu as des qualités que tout le monde a dit. Moi, j'aime me copier, je vais rester avec toi. Pendant ce mois, je peux aussi suivre les choses de toi. Alors lui, dans la simplicité, il dit, non, nous sommes tous médecins, il n'y a pas de problème. J'ai dit, non, je viens pour voler des choses partout. Et moi, avec cet espoir, avec tout ce qu'on a dit, on a intérêt de nous. Et ces jours-là, comme il était président d'un club de football qu'on appelle Mikishi, alors il y avait ce club-là, les gens avec leur couronne de fleurs. Et chaque département médical, comme il était pédiatre, on a amené des couronnes, exactement ce qu'il avait dit. Et je voyais des couronnes de fleurs, un bouillon qui est dans la tombe. Je suis rentré, il parlait jeudi. Et ce qui s'est passé, j'en revois pas des détails, exactement ce qu'il avait dit. Parce que cette voiture, c'était une voiture achetée à, par crédit à la société, et on devait rembourser la société de couple. Alors, sa femme et ses enfants. Et on est allé au tri, on a regardé. Mais, et nom de Dieu, et apprenez-le de moi aussi, quand un événement passe, très mal à prêcher un message, mais Dieu, non, c'est comment il dit, Dieu a mal compris. Dieu a mal compris. Il a pris dans la parole de Dieu, Psaume 106, je crois, Psaume 106, verset 7, à moins que je me trompe, Psaume 106, verset 7. Psaume 106, verset 7. Ok, c'est ça. C'est ça. Psaume 106, verset 7, il dit ceci. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer, près de la mer rouge. Point. Nous, on aurait lu comme ça, on aurait commenté à notre manière. Mais frère, vraiment, il prend ce verset. C'est pas lui que je vois dans le fond là. Que Dieu te bénisse, qu'il dit. Oui, Jaël. Oui, Jaël, que Dieu vous bénisse, je ne vous ai pas vu. Amen. Vous voyez, quand les enfants que j'ai portés sur moi, alors je suis très heureux de le voir. Vous êtes des femmes aussi. Alors, revenons à ça. Je me dis, frère, madame, prends ça. Il dit, nos pères ne furent pas attentifs à tes miracles. Alors, frère, madame, il dit, Dieu mal compris, c'est ça qu'il dit. Qu'est-ce que signifie Dieu mal compris? Il explique que Dieu mal compris ne signifie pas, mais c'est que Dieu fait quelque chose et nous regardons ce qu'il a fait, mais nous ne demandons pas de savoir pourquoi il l'a fait. Quand un événement arrive, ils ont mangé au désert, ils se sont réjouis, mais qu'est-ce que Dieu poursuivait? Alors Dieu mal compris, c'est voir un événement arriver et puis on a commenté, ne pas aller au-delà de ce qui est arrivé. Qu'est-ce que Dieu voulait vous enseigner par cet événement? Voilà ce que l'appel Dieu m'a compris. Alors, la mort de Mbouyi, je ne me suis pas limité à dire ça. Je suis allé à l'hôtel Caravia et ce soir-là, je n'oublierai jamais ce verset. Ce soir-là, pendant que j'étais en train de Seigneur me donne un verset et c'est là que je répète partout. Je parle comme ça, tombe maintenant, je le répète.
C'est Ésaïe 40, verset 6. Où il dit, Ésaïe 40, vous voyez que la parole de Dieu, elle est très bien. Ésaïe 40 dit ceci, verset 6. Il dit, il nous voit crier, il nous voit dire cri. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat, toute sa gloire est comme une fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Certainement, l'herbe sèche, oui, oui. Quand le vent de l'éternel souffle là-dessus, c'est certainement le peuple bouillé, tombé, moi-même et toi, nous sommes comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Alors je dis, c'est tombe, toute sa puissance, tout ce qu'on a viré, etc., la tombe en un jour par accident. Je voyais comment. Et je suis resté dans mon état en disant, donc en fait, ce qui est valable, c'est la parole de Dieu. Parce que tout ce que tu as dit, l'argent, etc., un jour, ça tombe. Voilà un peu ce que je retiens, hein, à propos de ce que nous avons dit ici tout à l'heure, que je viendrai les projets, nous allons travailler lundi. La Bible dit, ne faites pas de dire, si Dieu veut, alors je dis la même chose, si Dieu le permet, les deux, je partirai. Mais dans le plan de Dieu, ça peut être après ces huit ici, je tombe et la fête termine. Et chacun de vous, quand vous avez l'occasion d'écouter la parole de Dieu, écoutez-la comme c'était la dernière fois. Nous avons fait le plan, c'est bon, jusqu'au 2 décembre. Mais aujourd'hui, ce que vous écoutez aujourd'hui, que ce soit comme si c'était la dernière parole. C'est cette attitude que je vous recommande aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, hier, nous parlions donc de la. Vous voyez que c'est bon d'avoir un peu plus de temps, que c'est limité à... Non. C'est pourquoi, oui, je dois vous parler là, jusqu'au moment où je partirai, ce ne serait pas fini. Tu me donnes un bon 2 mois, c'est ça que c'est pas long. Parce que chaque fois, il y aurait vraiment, ça fait partie. Mais si on se limite comme un cours, en disant maintenant, c'est bon, c'est pas possible. Mais là, je me sens à l'aise d'avoir 1h30, je terminerai jamais 1h. 30 vous me donnez, mais 1h20, parce qu'il faut que vous me laissez à peu près 5 minutes pour prier. Amen. Bon. Donc nous parlions tout à l'heure, déjà, de ce que nous appelons la promesse de notre jour. Nous avons une promesse en ce jour. Dieu a promis quelque chose, et hier je vous avais promis, c'est pour ça que j'apporte cette brochure pour dire cela. Pour dire que nous sommes dans le mauvais jour. Ce n'est pas un mauvais jour pour n'importe qui. Mauvais jour pour les enfants de la promesse. Parce que ceux qui doivent comprendre la grâce que Dieu leur a faite. Dieu qui nous appelle, la paix de les remplir. C'est vrai. Dans le Dieu de cet âge mauvais, il dit, tandis que nous étudions la parole, considérez soigneusement les dieux de cet âge mauvais dans lequel nous vivons. Et il dit, de tous les anges de la séduction, du jardin d'Éden jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu autant de séduction qu'aujourd'hui. Prenez garde à l'heure dans laquelle nous vivons. Dans cet âge qu'on appelle l'âge mauvais, pourquoi Dieu appelle un peuple comme nous dans cet âge qui est mauvais? C'est pour pouvoir l'éprouver. Elle, son épouse, lorsqu'elle est manifestée, éprouvée, démontrée aux yeux de Satan, comme j'ai dit tout à l'heure, hier, que les suivre vont aller jusqu'au top. Mais Dieu, à son tour, veut faire. Mais contre quoi, il va soulever, il va sortir le peuple saint, sanctifié et manifesté à leur nom. Ah.
n'y a jamais eu un âge comme cet âge. C'est un âge de la séduction. Et la séduction consiste en quoi? Écoute ce qu'il dit encore très bien. J'aime bien moi. Passez, venez ici, qu'on regarde. Venez ici. On regarde, j'aime bien qu'on voit. Que je vois ça. Vous voyez, il dit, hein, moi je dis, mais vous, j'aime que vous regardiez. Remarquez que comme les écritures se tiennent ensemble dans chaque âge, le monde religieux refusa d'être gouverné par la parole de Dieu et accepta à la place de Barnabas un meurtrier. Qu'est-ce que cela signifie en faisant cela? Ils exaltaient Satan, le dieu de cet âge, mon frère, lui donnant la position qu'il avait toujours voulu prendre. Maintenant, écoutez ceci. Satan n'est pas décrit, c'est ça que je voulais comme dire aux étudiants, nous voyons avec le pasteur. Satan n'est pas décrit comme le dieu de quelconque des âges passés, du passé, mais comme le dieu de cet âge. Il n'est pas décrit comme le dieu de l'âge de Noé. Il n'est pas décrit comme le dieu de l'âge de Moïse, d'Élie. Mais écoutez bien ceci, ne le manquez pas. Il est le dieu de cet âge mauvais, adoré par des millions, des milliards d'hommes, et ceci ne s'en rend pas compte. Amen. Amen. Et donc, des adorateurs ont toujours, on ne parle pas des païens, des incrédules, on parle des adorateurs. Les adorateurs ont toujours honoré Dieu, loué Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé. Ils ont honoré Dieu, ils ont prié Dieu pour ce qu'il va faire dans le futur. Mais ce que Dieu fait dans le présent, Dieu le révèle seulement aux enfants de la promesse qui sont des élus. Et c'est pourquoi nous sommes reconnaissants de savoir ce que Dieu fait avec nous. Et c'est merveilleux de savoir que c'est nous, c'est à nous que Dieu a révélé sa pensée. Il a révélé quand nous venons ici, quand nous sommes au milieu de nous, à travers la parole que nous prêchons. C'est une chose extraordinaire. Donc nous parlions des enfants de la promesse. Et hier, je voulais mettre cet accent, je voulais que c'est parmi les sauvés. Nous ne sommes pas les seuls sauvés. Et Dieu a ses plans. Dieu, il a ses plans. Mais si pour la parole que vous avez lue ici, c'est laquelle je reviens, qui est merveilleuse là, hein, Matthieu, au chapitre 13, on l'a lu, et nous avons lu le verset 16. Un verset merveilleux. Verset 16. Oui, il dit, nous le lisons encore. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Heureuses vos oreilles parce qu'ils entendent. Mais nous continuons. Pour que vous voyez. Je vous le dis en vérité. Beaucoup de prophètes, ce n'est pas seulement beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Verset 17. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous pouvez vous étonner en disant comment les prophètes n'ont pas vu, n'ont pas entendu. Je vous ai dit l'autre fois en parlant de la parole prophétique qu'un prophète, quand il parle, la parole de Dieu, c'est comme dans un écran de télévision. Et il sort ce qu'il sort là, une fille, vierge, concevra, etc. Et ça, il a vu ça. Mais quand il sort là, demandez-lui ce que ça signifie. C'est pas son problème. Les prophètes ont prophétisé. Ils ont désiré voir ce que nous voyons. Les prophètes ne l'ont pas vu. Ils ont encore ça très bien. Cette pensée-là dans 1 Pierre, très développé, 1 Pierre au chapitre 1. Les prophètes, ils ont désiré, c'est nous qui vivons dans un jour que le prophète n'a pas connu. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre 1. Donc beaucoup de jeux, ces prophètes ont désiré.
1 Pierre chapitre 1, nous lisons à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, au fait de ces saluts, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque, notre époque ici, et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu, qui était en eux quand ils prophétisaient, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie, la gloire c'est que nous sommes aujourd'hui, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, quelles choses, que vous ont annoncé maintenant. Amen. Ces choses ont annoncé maintenant. Amen. Oh oui, maintenant. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger les regards. Les choses que nous vivons maintenant, les anges désirent plonger les regards et ne voient pas les choses que vous voyez. Les justes, les prophètes n'ont pas su, n'ont pas, ils ont désiré. Nous vivons le jour le plus heureux. C'est pourquoi c'est un jour tout à fait ténébreux, le ténestra, d'un côté, un jour de sourire, un jour le diable a amené le péché au top. Et c'est ce jour-là, comme nous venons de dire, que Jésus-Christ lui a juré. Et c'est pourquoi la séduction est très très grande. Nous y reviendrons. Et Dieu, lui, je l'ai encore dit hier, et aujourd'hui je l'ai encore dit, Dieu, lui, a dit, je veux faire, par Jésus-Christ à cet âge, un âge merveilleux, mes frères. Je dis ça pour mettre en vous la joie quand vous priez, la reconnaissance de voir dans quel jour votre maman, c'est comme un catéchisme, c'est merveilleux. Imaginez-vous que Dieu a dit, Très bien, mon frère Seigneur, venez à deux là, à côté. Nous regardons, ça me fait plaisir, vous, à vous, gauche, moi, droite. Ce ne sont pas les idées des billes, c'est écrit là. Le Dieu de cet âge mauvais prêchait en août 65. Imaginez-vous, vous voyez, c'est que ce n'est pas quand il dit sortez de ces millions, on peut quand il dit sortez. Ne vous appuyez pas comme les portes qui sortez, soyez différents. C'est le slogan, soyez différents. Quand vous n'êtes pas pour différents, pleurez pour être différents. Parce que c'est un jour merveilleux. Parce que Dieu n'a que faire avec les églises. Regardez ce qu'il dit. Il est étrange. Vous avez vu cet âge mauvais, nous avons dit avec lui dans lequel nous vivons. Mais oui, il dit, voilà. Il est étrange de penser que c'est dans un âge aussi mauvais que cela que Dieu appellerait son épouse. Avez-vous remarqué qu'il a dit un peuple et non pas une église. Pas une église. Pourquoi cela? Pourtant, ce peuple est appelé, pourtant nous appelons aussi l'Église. Nous disons son Église. Mais ce qu'il appelle, c'est un peuple. Une Église, c'est un rassemblement de gens différents, de différentes provenances. Mais Dieu appelle un certain peuple. Il n'est pas dit, j'appellerai les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes. Il a dit qu'il appellerait un peuple. Pourquoi? Un peuple qui porterait son nom. Vous voyez? Un peuple. Il en viendra un. Chez les méthodistes, il va sortir un peuple. Un chez les baptistes. Un chez les luthériens. Un chez les catholiques. Ce n'est pas un mouvement d'église qu'il appelle, mais un peuple qui porte son nom. Un peuple qui reçoive son nom. Un peuple qui soit fiancé à son nom, hein, qui est invité à un mariage, où il sera marié avec lui, afin de devenir une partie de lui par la prédestination. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que nous sommes? Alors quand nous prions, Seigneur, c'est merveilleux, comme les deux frères ont prié ce matin, que nous soyons nous. Qui suis-je pour être appelé dans ce que Dieu va faire maintenant de même les prophètes, les anges, les gardes de distance,
Nous vivons le moment le plus meilleur. C'est le moment où Dieu clôture, achève. C'est le prix du sang que Jésus-Christ a versé. C'est maintenant le résultat. Amen. Et c'est pourquoi, avec la fête, nous attendons des choses extraordinaires. Amen. Il n'y aura pas de faux frères, de faux sœurs parmi nous. Dieu va maintenant montrer, avant qu'il y ait l'enlèvement, vous verrez ce qui va se passer. Nous serons capables, nous créons. Vous voyez ce que c'est. Cela ne s'est jamais passé au temps de Paul. C'est la double puissance. Amen. Amen. Maintenant, nous parlons des enfants de la promesse. Vous voyez, c'est tout ça. Les enfants de la promesse. Vous voyez ce qu'il nous est promis. Ce que je viens de dire ici. C'est ce que Dieu a promis pour nous. Nous sommes des enfants de la promesse. La semence que, à travers laquelle Dieu va faire cela. Amen. Alors, j'en étais là à expliquer les paroles, ou plutôt la parole prophétique. La parole prophétique. Si vous étiez là hier, la répétition est la mère de la science, et j'aime toujours revenir avec mon frère ici. Ça, je mets ici, là, je mets ici, hein. Et Dieu fait une promesse. Qu'est-ce que c'est que la parole prophétique? Même si vous oubliez le verset, ça va vous faire. Vous gardez ça. Dieu fait une promesse. La parole prophétique est une promesse. Et une promesse, une prédiction, c'est différent. Prédiction, c'est prédire des choses comme des événements. Comme Dieu a prédit par le prophète qu'en Californie, là, il y aura des tremblements de terre, il y aura un orage. Là, ce sont des prédictions. Hein? Mais la promesse, c'est une bénédiction. Dieu fait une promesse. Dieu fait une promesse pour la Pentecôte. Dieu fait une promesse pour l'entrée de Jésus à Jérusalem. Dieu, ça, ce sont des événements de bénédiction. Dieu promet. Et je vous avais parlé ici de Zacharie 9, où, en donnant un exemple, alors de vous, hein, Zacharie 9, 9. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la Bible, j'ai l'exemple que je vous avais donné. Et il dit, oh, sois transporté les gens. Vous voyez un prophète. Donc le prophète quand il dit ça, il voit les choses en présent. Sois transporté des joies. Transporté. On est là, fille de Jérusalem. Sois le Sénégal et ton roi vient. Il est humble. Il est monté sur un âne. Oh, il voit ça. Mais il ne sait pas. Dieu ne lui révèle pas lui ce qui a réalisé. Mais il est prophète. Alors quand le moment maintenant est arrivé, on voit Jésus qui vient exactement ce qui était dit là. Alors maintenant, les enfants de la promesse, qui sont des élus, à eux on donne la capacité de regarder et dire ça. C'est exactement ça. Ah, Jésus qui monte là. Mais ce que je voudrais accentuer un peu aujourd'hui, c'est la réaction de ceux qui ne sont pas enfants de la promesse. Et pas seulement le peuple, même les principaux pasteurs, les conducteurs du peuple, regardez comment ils réagissent. Parce qu'ils ne voient pas ça. Ils ne sont pas indifférents. Ils deviennent méchants, ils s'attaquent. Ils viennent devenir méchants parce qu'ils ne voient pas, parce qu'ils conduisent le peuple. Ils attaquent. Et regardez en cas de l'entrée de Jésus à Jérusalem, vous avez dit. Je lis un verset. Je lis le verset où les religieux attaquent. Zacharie 9, 9, nous l'avions lu rapidement. Zacharie 9, 9. J'étais à bon moment. À un bon moment. Zacharie 9, 9. Comme ça, je lis la parole. Parce que nous lisons les paroles de Dieu ici. Pas de commentaire. 9, 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, voilà ce que Zacharie voit. Fille de Jérusalem. Hein? Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble, monté sur un âne. Sur un âne, le petit Iranès. Il a terminé. Et quand nous voyons dans Matthieu, chapitre 21, l'accomplissement maintenant de la parole, la prophétique, l'accomplissement de la parole,
Matthieu 21, le verset, vous voyez, lorsqu'ils approchaient le verset 1 de Jérusalem, qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoyait des disciples et tout cela. Bon, tout cela arrivait au verset 4. Où ceci arriva afin de s'accomplir ce qui avait été annoncé par le prophète, le prophète Zacharie, et on répète, dit à la fille de Sion, voici ton roi vient, plein de douceur, etc. Mais ça, et voici la réaction de ceux qui reçoivent la promesse. Au verset 8, la plupart des gens de la foule étagent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupaient des branches d'arbres et en jonchaient là-haut. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, fils de David. Voilà ce qui reçoivent. Mais regardez la réaction, c'est ce qui me porte aujourd'hui, verset 15. Mais les principaux, ce n'était pas de simple, mais les principaux sacrificateurs, est-ce qu'ils furent indignés à la vue des choses merveilleuses qui se faisaient entendre et à ceux qui criaient aux arabes. Donc, eux sont indignés. Pourquoi? Ce n'est pas visible. Ce que je vais vous montrer là, ils sont dans les ténèbres. D'accord. Et nous tenons bien. Nous tenons bien. 2 Pierre 1:19, que je vous rappelle, et nous tenons bien. La parole à laquelle vous faites bien de prêter attention. 2 Pierre 1:19. Hein? Et nous tenons, pendant que eux rejettent 2 Pierre 1:19, et nous tenons pour d'autant plus certain, pour d'autant plus certain. Ce que vous rejetez là, nous sommes plus certains, quoi, la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, parce que c'est comme une lumière qui brille pour nous, alors que c'est des ténébreux pour les religieux. Amen. 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 Parole prophétique, enfant de la promesse, élu de Dieu. Vous voyez des choses merveilleuses, et ces mêmes choses sont justement décriées par le diable. Alléluia. Amen. Et la parole prophétique, ce que je prends aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste. Je prie ça parce que c'est Élie. C'est exactement comme on fait avec notre Élie aujourd'hui. Élie, Jean-Baptiste. Vous voyez d'abord la promesse. La promesse est faite. La promesse est faite. C'est Ésaïe 40. La promesse est claire, comme je disais hier. On a même des yeux, vous ai promis que j'allais encore revenir ça aujourd'hui. Ésaïe 40. La promesse est claire, on a dessiné, on a décrit. Ésaïe 40. Verset 3, mais je commence par le verset 1. Consolez, consolez mon peuple. Donc c'est une consolation. Ah mon frère secret. Ah mon frère bien-aimé. Frère Bertin. Après c'est une consolation. Une promesse que Dieu envoie à un peuple, c'est une consolation. Dieu vous console avec sa parole. Une promesse, c'est une consolation pour le peuple. Hein? Consolez. Consolez mon peuple. Dans mon église, nous avons vu peuple, nous sommes un peuple, nous sommes pas l'église. Dis Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Amen. Que son iniquité est expiée. Oh frère, amen. Mettez-vous debout. Amen. Mettez-vous debout, bien-aimé. Et nous allons dire cela. Notre Dieu est notre Père Céleste. Nous lisons ta parole avec beaucoup d'admiration, beaucoup de foi et de reconnaissance. Tu es venu nous consoler ce matin, Seigneur.
Non seulement tu as guéri notre frère et notre soeur, comme nous l'avons vu ici, dans la guérison divine, mais aujourd'hui tu nous consoles. Nous avons des problèmes. Et c'est à travers la parole que nous entendons que la solution est donnée à nos problèmes. Amen. Amen. Accorde-les, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et disons, consolez. Ésaïe 40. Consolez. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Notre servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Amen. Oh. Il voit crier alors. Hein, pour consoler. Préparez au désert. C'est au désert. Le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride. Il route pour notre Dieu. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Asseyez-vous et nous continuons. Hier, j'ai commencé dans la parole, ou plutôt les enfants de la promesse. C'est le sujet que j'ai terminé aujourd'hui, bien qu'on l'avait déjà eu. Pour que la semaine prochaine, si Dieu nous garde encore, nous avons vu, s'il n'allait pas quelqu'un parmi nous, parce qu'entendre cette parole comme si c'était la dernière fois, c'est comme ça, c'est ça mon exhortation. Quand vous entendez la parole de Dieu, c'est comme si c'était la dernière fois. Faut pas dire nous serons, si vous ne savez pas, demain c'est Dieu. Mais écoutez la parole prophétique. Vous voyez ça, c'est la promesse que Dieu a faite. Il a même précisé, il dit, préparez au désert le chemin. La préparation de Jean-Baptiste se faisait au désert. Et tout était précis. Mais comme je l'ai dit ici, pour les sacrificateurs, regardez la réaction de ces... Le peuple, lui, est content. Le problème, c'est les conducteurs du peuple. Très fort que dit, dans un de ses écrits, il y a encore, et j'aime cette phrase-là, je l'ai retenue. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui ont été conduits dans l'erreur. Il n'y en a pas pour les conducteurs de ces gens. C'est pourquoi nous prêchons. Nous ne localisons pas les assemblées. Ce n'est pas dire chez Franck c'est bon, chez celui-là c'est mauvais, Tabernacle c'est bon. Ah, c'est une façon de voir quand nous étions jeunes. Arrêtez ça. Dieu connaît. C'est la parole de Dieu. Amen. Dieu connaît les siens. Amen. Ils peuvent se trouver chez les catholiques. Ils peuvent se trouver même là où l'on prêche les choses. C'est le prédicateur qui est lui. Mais eux sont là. Amen. Je ne dis pas juste. Deux Timothée. Deux Timothée. Amen. Chapitre 1. C'est écrit. 2 Timothée chapitre 1 verset 19. Mais avant de lire ce verset-là, verset 19, d'abord trouvez ce verset 19, 2 Timothée, 2e livre de Timothée chapitre 1 verset 19. Mais le verset 19 là est comme conclusion. Il faut commencer plus haut. Hein? Plus haut, on peut commencer le premier verset 1, il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce de Jésus-Christ, etc. Hein? Un soldat doit être comme ça, comprend, etc. Il continue. 2 Timothée chapitre 2. Hein, c'est 2 Timothée chapitre 2, c'est pas un petit peu près 2. Merci de m'en rappeler. Alors, si vous voyez verset 14, il dit, elle appelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes, etc. Il parle de ceux qui s'écartent de la doctrine. Il parle justement de ces gens qui sont dans l'erreur qui prêchent là. Et ceux qui croient. Mais il nous dit,
Après cela, il dit, bon, évite verset 7, verset 15, et force-toi d'être comme ça, un homme éprouvé. Au verset 16, évite la discussion. Et il n'illustre pas le verset 17 de ce nombre de ceux qui tiennent des mauvais discours, de fausses doctrines, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui ont prêché que la résurrection avait déjà eu lieu comme il y en a qui prêchent aujourd'hui. Mais j'aime bien le verset 19 qui dit néanmoins. Les mots là ont un sens. Amen. Malgré cela, même dans ce groupe-là, néanmoins, Dieu lui connaît le ciel. Amen. Et n'était pas un anathème sur le groupe. Nous ne voyons pas les groupes. Ce n'est pas les groupes. Chers catholiques là, je vous ai dit parfois, nous sommes prostituées. Dieu connaît les siens. Ils ne sont pas convenus. Ils sont entraînés dans les tonnerres là. Comme nous avons vu, les conducteurs. Très fort, il dit lettre secrète 43, page 10. J'ai noté ça. Lettre secrète 43, page 10. Il dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui ont été conduits dans les rêves. Donc il peut y avoir des gens dans ce groupe-là qui sont des élus. Il dit, Dieu connaît les cieux. C'est pour ça qu'il dit, cependant, verset 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Les élus sont connus de Dieu. Amen. Quel que soit l'endroit où ils évoluent. Amen. 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 Donc, il n'y a pas à dire là, j'ai l'habitude de dire, quand je commence à aborder les choses difficiles, j'ai dit, je ne parle pas au tabernacle d'Ina. Je parle aux élus qui sont ici. Aux élus qui connaissent là-bas. Ce n'est pas parce qu'on appartient à une église, qu'on est tous en chose. Non, Dieu ne voit pas les groupes. Je vois des personnes qui sont là-bas. Regardez où était Jésus-Christ. Quel était le meilleur prédicateur de Jésus-Christ. Mais là-dedans, on nous dit, il y a trois sortes de quoi. Il y avait là-dedans, dans ce groupe, c'était chez les pharisiens. Judas n'était pas chez les pharisiens. Il n'était même pas un simple croyant. Il était même ministre. Il était même chargé, trésorier, quelque chose. Mais il n'était pas de ceux qui étaient connus. La Bible parle comme ça. Amen. C'est parce que vous devez. Non, je vous donne des choses profondes. C'est le plus d'idées, des eaux, pour que vous ayez un jugement équilibré. Hein, pendant que vous marchez, et vous respectez Dieu en ce moment-là. Parce que ceux qui étaient dans le Branham, il y en a encore aujourd'hui qui vous disent, mais votre frère Franck, mais quand nous disons, on ne voit même pas son nom dans le brochure. Les gars disent ça. Mais par contre, vous verrez Pellegrini, vous verrez Zidio, on le sait. Mais je dirais le jugement de Branham l'autre jour. Parce que j'ai beaucoup de temps sur ce projet, ce qu'il dit. C'est pas ça. Nous n'avons pas besoin d'être connus de Franck, ami à Branham, etc. Nous, est-ce que nous sommes connus, nous sommes connus de Dieu. Amen. Ça, c'est le problème. Donc, Dieu connaît ce qui lui appartient. Alors, nous, parlons de Jean-Baptiste, vous voyez, il était annoncé comment il devait être, etc. Mais maintenant, regardez quand ça, c'est la promesse de Dieu, mais regardez quand il s'accomplit. Quand il s'accomplit, nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Et vous allez voir la réaction de ceux qui ne sont pas. Matthieu 3, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, apprenissez Seigneur. Mais la présentation de Jean, comme on dit là, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel. Un homme comme ça. Mais regardez, toujours debout, les habitants de Jérusalem, parce qu'on dit, criez, dites au cœur de Jérusalem,
par lui dans le fleuve des Jourdains. Mais regardez, verset 7 et 8. Mais, parce qu'il y a mais, deux groupes, il y a ceux comme ceux qui chantaient Hosanna, fils David, mais des conducteurs. Mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens, des sadduciens, vous voyez, il dit, race de pépère, enfant de diable, qui vous a appris à fuir, produisez au verset donc le fruit du de repentance. Et verset 9, m'importe, et ne prétendez pas à dire en vous-même, oh, nous avons Abraham pour père, comme je vous déclare, c'est de ses pieds, Dieu précise ses enfants Abraham. Donc ne vous contentez pas d'être dans l'assemblée de francs, de billes, de terre ou de terre. Ce n'est pas cela. Parce que Dieu connaît ce qui lui appartient. Ce n'est pas l'appartenance à Israël. Nous ne prêchons pas pour que les gens viennent dans tel groupe. Nous prêchons pour que les gens soient liés à Jésus-Christ. Parce que tu peux être dans le groupe de 2000 et c'est moi chez moi. 2000 personnes vont être enlevées dans l'église des billets parce que c'est la bonne église. Et dans l'église des tonnerres, tous vont aller en enfer. Ça, c'est comme c'est toujours. Mais maintenant, Dieu connaît ce qui lui appartient. Alors, vous voyez, quand il parlait de ça, il est relevé. Jean, regardez Jean maintenant, toujours. Jean, parlant de ses phénomènes. Jean. Jean, chapitre 1. Verset 19. Voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. Aïe aïe. Sacrificateurs et Lévites. Jean chapitre 1, verset 19. Voici les témoignages des gens. Lorsque les Juifs envoyaient des Jésus, des sacrificateurs, pas de simples choses, et des Lévites, pour lui demander qui es-tu. Il lui demandait qui tu es, verset 21. Il lui demandait quoi donc. Es-tu Élie? Il dit non, je ne suis pas. Es-tu prophète? Il dit non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'es-tu de toi-même? Et Jean, au verset 23, Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Après lycée, le chemin du Seigneur, comment? Comme Esaïe le prophète, votre prophète l'a dit. Il précise, je ne suis pas dans une église, je suis au désert. Et voyez comment c'est exactement ce qu'il avait dit quelqu'un qui s'était au désert. Est-ce que vous voyez la parole prophétique? Comment la chose était décrite et comment elle se présente clairement pour ceux qui sont des enfants de la promesse? Mais ceux qui ne sont pas de la promesse, comme je vous l'ai promis, je relève ça. C'est-à-dire les conducteurs et les religieux. Et la masse qui est derrière eux, n'a pas que. Voyez qu'est-ce qu'ils croient? Malgré cela, ils m'ont dit, non. Vous savez comment Jean a terminé? On a coupé la tête. Malgré ce témoignage, la parole prophétique, c'est, elle est adressée aux élus. Amen. 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 Vous voyez, verset 4 dit, verset 25, 24 et 25, ceux qui avaient été envoyés étaient, la Bible précise, des pharisiens. Donc des prédicateurs. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc toi tu baptises alors que tu n'es ni Christ ni Élie? Oui. Ils ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Alors, j'ai dit ceci. Parce que aujourd'hui, c'est pour tenir la parole prophétique. J'espère que si vous avez compris par la grâce de Dieu. Mais j'ai dit ceci. Dans la, ça, c'est le principe hein, général. Mais appliquons dans notre l'âge que nous avons. Ce message, très favorable, ce message, aujourd'hui,
même parmi ceux qui le prêchent, enlever cette idée de cette assemblée, ça. Non. Dieu a des élus partout. Amen. Quand il y a peu d'élus et beaucoup d'appelés, appliquez-les déjà dans votre propre assemblée, dans chaque assemblée. Où il y a Franck, il y a beaucoup d'appelés pour Dieu. Où il y a Bernard, là, où il y avait Jésus. C'est-à-dire que Jésus était le meilleur de Bernard, le meilleur de Franck, le meilleur de moi, le meilleur de toi. C'était Dieu. Mais les prédestinations, Dieu a prédestiné déjà avant l'assemblée, vous voyez. Donc le tout, comme je dis, c'est dire moi, le pas nous. Donc aujourd'hui, dans ce message, je dis ce message. Il y a des paraboles ici, deux paraboles. Je suivais mon temps, mais c'est un livre. Deux paraboles. Ces deux paraboles expliquent non pas les âges passés et cet âge, parce que les paraboles parlent maintenant du retour de Jésus-Christ. Au retour de Jésus-Christ. Au retour de Jésus-Christ, parmi ceux qui ont pris ce message, ne parlez pas, je ne veux plus ne parler, ne mettez pas seulement les tonnerres, les babettes, ils sont tranquilles. Mais si j'en ai tranquille, j'aime encore les gens comme ça, j'aime les tonnerres, les tonneristes, je les aime. Parce que je ne suis pas d'accord avec toi. C'est clair. Amen. Tu vois, pasteur, tu vois. Quelqu'un, un ennemi que tu connais, c'est mieux parce que tu peux prendre garde. Mais un ennemi que tu ne connais pas, mon frère, c'est là qui est dangereux. Et je ne prêche pas des théories. Je vais encore m'asseoir avec les deux amis ici pour le lire, leur montrer ça. C'est des frères Valentin dit où nous devons faire attention. C'est pas. Voilà. Regardez, mon frère. Regardez. Il dit ceci. Vous voyez. Il est bien clair que ce n'est pas à ces églises froides. Formaliste, empesé et nourri des théologies faites de main d'homme, que les élus risqueraient de se laisser prendre. Non! Mais c'est là où ce que l'on voit est presque identique à la réalité. C'est là qu'il y a le danger. C'est pourquoi quand je prêche ici, j'ai dit, attention, faites attention. Parce que le problème, ce n'est pas seulement, même c'est parmi nous, les gens qui croient au tonnerre, les gens qui vous disent pas des tonnerristes, les gens qui disent, mais écoute, nous, pas la nouvelle lumière, mais on reste à vous de tout. Faites attention parce que le moment est dur, faites attention. Parce qu'autrement, on classe sur nous, et on tranquillise les gens. Les problèmes, ce n'est pas des groupes. Les problèmes, c'est faire attention. Même les choses qui ressemblent à la vérité, faites attention. Alors, nous nous ferons même. Enfin, le mot, c'est que Dieu connaît les siens. Les siens, Dieu va amener les siens. Même s'ils sont dans les portes de Dieu, il a un plan. Et moi, je ne sais pas, vous regardez sur votre visage, vous vous êtes appelé, vous êtes venu, vous êtes ceci. Ça appartient au Seigneur. Amen. 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 Maintenant, regardez ces deux paraboles. Je parle de Matthieu, un jour je reviendrai, je ne dis pas aujourd'hui, pour parler de vieilles folles. Vieilles folles veulent ça, c'est quoi? Pas seulement comme ça, c'est quoi? Parce qu'on a posé, on pose des questions, ma frère femme me dit, ça c'est difficile à voir. Il ne faut pas catégoriser selon Dieu connaît les signes. C'est celui que vous croyez être dans la vérité et vieilles folles. Celui que vous croyez être un faux est bien sage. Dieu sait, il connaît les siens. Amen. Et ils seront, comme vous avez dit, eux seuls, sont prédestinés à être célibataires du Saint-Esprit. Alors regardez parmi ceux qui prêchent aujourd'hui le message du retour de Jésus-Christ. Regardez, la Bible parle de deux paraboles, les vierges sages et les vierges folles.
Les vieilles sages, vieilles folles, c'est à notre âge, ça n'appartient pas à l'âge de Philadelphie, c'est à notre temps à nous ici. Et ces vieilles-là sont réellement parmi nous, destinées par Dieu avant la fondation du monde pour recevoir la parole comme je la donne aujourd'hui, dans le cœur, et Dieu les scelle de cet esprit. Et nous voyons deux sortes de vierges fortes et sages, et ils sont où? Ils vont à la rencontre du Seigneur. Ils vont à la rencontre du Seigneur. Et il y en a qui ont pris des lampes sans huile, il y en a qui ont pris, ont eu des précautions de prendre de l'huile. Ne me cherchez pas de l'huile, si vous êtes prédestiné, Dieu va vous donner de l'huile. Parce que c'est sa promesse. Ce n'est pas moi qui vous donne de l'huile. Mais ceux qui prennent cette parole, hein, avec respect, demandant au Seigneur, si on connaît les siècles, il va leur révéler cette parole. On n'a pas besoin de connaître les mi-fonds, les écritures qu'on connaît. Je vous ai donné cet exemple que je donne toujours de cette femme qu'on appelle Martha. J'avais parlé de ça ici, je reviens. On lui donnait le son révélé. Et au prix, il donnait le nom révélé. Et cette femme, elle était là. Elle dit, je sens dans mon cœur que le Seigneur ne soit pas révélé. Elle n'a pas étudié. Dieu connaît les siens. Et il va leur donner de sont déjà scellés avec lui. Mais nous dirons la conduite, comme on dit ici, comment il se comporte. Parce qu'il y a des directives. Nous ne regardons les directives, nous ne regardons pas à ce que. Ce qui est en fait. Alors, deux vierges, de sorte des vierges, verset chapitre 25, ceux qui avaient vu, les autres n'avaient pas vu, et c'est maintenant. Verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les forts guides au sein. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les anges disent non, il n'y en a pas assez pour vous. On a déjà expliqué cette parabole. Verset 10, pendant qu'ils allaient en chercher, l'époux arriva, et celle qui était prête entrer avec lui dans la salle de l'autre, et la porte fut fermée. Là, nous faisons attention parce que la porte va être fermée. Amen. Amen. Et nous allons, Matthieu 22, il est resté là. Matthieu 22, et nous avions lu à partir du verset 1, où je vous avais montré des paraboles de noces. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces. Verset 2. Noces. Verset 3, les serviteurs appelaient ceux qui étaient invités aux noces. Et verset 4, au milieu, dites aux convives, voici mon festin. Préparez mes prébis, etc. Tout est prêt, venez aux noces. Verset 4. Voyez, noces. Et au verset 9, allez donc au carrefour et appelez aux noces. Et verset 10, la dernière phrase, et la salle de noces fut pleine de convives. Toujours noces. Au verset 11, la dernière phrase, il aperçut là un homme qui n'avait pas répété la vie de noces. Verset 12, noces. Verset 10, mon ami, comment es-tu entré ici sans habit de noces? Et cet homme fut lié, les mains et les pieds, jeté dehors, où il y a des blessements de dents et de pleurs. Et nous avons dit que les blessements de dents et de pleurs, ce n'est pas l'enfer, c'est la grande tribulation. Parce qu'on s'adresse à ceux qui sont venus dans la salle de noces. Ça, ce n'est pas les méthodistes et les baptistes, non, c'est des gens appelés qui sont là-bas, qui sont venus dans ce message. Alors, verset 14 dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Nous sommes heureux. Nous sommes parmi les élus, parce que Dieu nous donne la capacité, c'est Dieu qui nous donne la capacité. Et la fois passée, et je vais terminer par là, pour que nous voyons seulement, comme j'ai décrit le départ, que ces réalités profondes, des enfants de la promesse. Or, il y a de quoi remercier le Seigneur notre Dieu. Et regardez, j'avais parlé, et j'ai mis encore pour terminer par là, c'est merveilleux.
joyeux. Regardez, je suis dans Jean, à la résurrection de Jésus-Christ, il parle ici de la révélation pour terminer. C'est l'exemple que j'avais donné la fois passée, et j'y reviens encore. La révélation est comme un livre, vous vous rappelez encore, un livre fermé. Qu'est-ce qu'il y a, une Bible fermée là pour peut-être mon frère Seka? Non, là c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a, une Bible avec tiret? Qu'est-ce qu'il y a, une Bible? Donne-moi, ma fille, donne-moi ça. Ça réveille un peu ce que je veux dire. Regarde, c'est ça, la révélation. C'est comme un livre. J'avais les choses n'étaient pas là la fois passée. Mais tu vois, c'est comme un livre. Un livre là, mais cacheté, c'est-à-dire un livre qui est fermé. Ah, mon frère d'Angola n'était pas là non plus. Livre fermé. Où est mon frère d'Angola? Viens ici. Il a dit, il s'appelle comment? Le frère? Jacques. Très bien. Viens. Ah. Toi, tu t'assis ici. Ah. Amen. Voilà ce qu'on appelle la révélation. C'est pas là que nous allons terminer. Mais quand nous glorifions Dieu, sans poser toutes ces choses-là, même l'adoration, c'est des mots. Mais ça va au cœur quand vous voyez. Alléluia. Vous voyez, il dit la révélation. Pour ces gens-là, dont nous avons parlé, que la promesse faite, la promesse est accomplie, ils sont autour de la promesse, ils ne croient pas. Vous n'avez pas à les mépriser. Mais on dit ici, pour eux, toute la révélation est comme un livre qui est fermé. Et on donne à quelqu'un. Il dit, est-ce que tu peux lire? Il répond, je ne peux pas, parce qu'il est fermé. Ou comme un livre qui est ouvert. Mais toi, tu n'as jamais été à l'école, tu n'as pas étudié. On te donne les dire, est-ce que tu peux lire? Voilà ce qu'on appelle la révélation. Et c'est ce que nous lisons, mon frère Jacques, lisons-les, c'est dans Ésaïe 29. Ésaïe 29. Oh, c'est merveilleux. Verset 11 et 12, il dit, toute la révélation. Toute la révélation est pour vous comme le monde d'un livre cacheté. C'est-à-dire fermé. Et que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne puis. Car il est cacheté, il est fermé. Et la révélation, verset 12, est comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire. Et le livre lui est fermé, est ouvert, en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Vous voyez la révélation? La révélation, c'est un don de c'est Dieu qui vous donne ça. Et c'est comme ça que nous voyons dans Jean, pour terminer, parce que c'est ça mon pratique aujourd'hui, très bien. Jean chapitre 20, j'ai eu suffisamment de temps, j'aime ça. 20. Regardez, j'ai illustré cela par cette femme de Marie de Magdala. C'est merveilleux pour qu'on comprenne ce que Dieu a fait pour nous et qu'il n'a pas fait pour les autres. Marie de Magdala va se rendre au cimetière, comme il est dit là. Jean 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et vu que la pierre était ôtée, nous connaissons cette chose. Et verset 11, cependant Marie se tenait dehors du sépulcre, elle pleurait. Il faut que Dieu voie comment tu le cherches et tu pleures. Il doit deviner ça dans ton cœur. Amen. Il doit voir comment tu le cherches. Jésus-Christ, ton Seigneur. Qui cherche tout, qui frappe, on l'ouvre. Ce sont des mots. Et on lui dit là, disons au verset 14, en disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus debout. Parce que la tombe était bien, elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus, verset 14. Et j'ai dit, la fois passée, mon frère Jacques, que sur le vendredi, Jésus-Christ a été crucifié et mort le vendredi. Mais il a dit qu'avec
ces gens, je ne sais pas combien de temps. Son ministère a duré 3 ans et demi. Vendredi. Et dimanche matin, il est à côté, mets-toi debout un peu. Mets-toi debout, Jacques. Voilà où était Jésus. Et ça, c'est Marie. À un mètre, il demande à Jésus, Seigneur, il demande pourquoi tu pleures. Il dit, je pleure parce qu'on a enlevé le corps de mon Seigneur. Je ne sais pas où on l'a mis. Si c'est toi qui l'as enlevé, montre-moi où il était et je vais le faire. Marie demande à un mètre. Ah, pasteur. C'est quand même une chose terrible, mon bien-aimé. Ces choses, nous les avons entendues, maintenant je n'en parle ici. C'est comme si je n'avais tout à l'heure qui ai prêché ça. Mais ça me tourne pour comment on peut être à un mètre avec quelqu'un qu'on a connu et vous lui dites, si c'est toi, montre-moi. Et il fallait que Jésus regarde, dise, Marie, il t'a appelé toi par ton nom. Amen. Amen. Il a dit, Jacques. Et nous, tu vas observer. Et on va pour l'embrasser, Jésus parle. Amen. La révélation comme un livre fermé. Amen. Si Dieu a ouvert à toi, et la reconnaissance, tu ne peux pas mépriser celui qui n'a pas vu. C'est le sentiment d'agriculture qui est cassé parmi nous. Amen. On trouve quelqu'un, on commence à parler avec lui, toujours avec des méchants. Moi aussi, je le fais, je dois prier Dieu pour l'arriver. Amen. Ça vient, bien, vous savez, nous sommes encore dans cette chair. Tant que celui qui ne voit pas qu'on tombe toujours avec des petits trucs, on sent toujours que celui-là, il ne connaît rien. Non, il n'est pas sage. Il est ceci. Non, tu as reçu. C'est gratuitement. Amen. Amen. Et quand le moment arrivera pour l'autre, on le donnera aussi. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Jacques est resté debout. En Luc, là, c'est le même jour. Les disciples de Maïs. Toujours comme ma Marie qui pleurait, mon frère. Marie pleurait. On est toujours en train de pleurer, chercher son Seigneur. Les deux disciples cherchent. Ils étaient touchés. Ils marchaient là. Bon, qu'est-ce que mon sacrifice pauvre? Aïe, aïe, aïe. Jésus les rejoint. Il vous rejoint si vous parlez de lui. Amen. Il vous rejoint là, vous le cherchez. Amen. Il les rejoint. Et quand il est avec eux, il dit, mais de quoi? Comme il dit à Marie, Marie, que cherches-tu? Il savait que je cherchais. Marie, que cherches-tu? Pourquoi tu pleures? Jésus peut ignorer pourquoi Marie pleurait. Jésus peut-il ignorer? Il dit à Jésus, pourquoi vous êtes bon? Comment vous êtes comme ça, triste? En marchant, pourquoi? Il dit, comment? Et il dit, toi tu es étranger, Jérusalem. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Un grand événement comme ça, toi tu ne sais pas. Il dit, ah, c'est quoi? Amen. Alléluia. Alors il commence à le raconter. Et Jésus écoutait. Jésus, ah, il commence à son tour. Homme de peu de foi. Amen. Vous ne savez pas que Moïse, commença par Moïse. Il dit, commença par Moïse. Et par tous les prophètes, il leur donna des écritures comment Jésus devait mourir, etc. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, il dit, ah, ah, ça c'est intéressant. Vous voyez que même la parole, même comme je donne ici, il faut qu'on l'appelle, qu'on mette dans le cœur. Comment Jésus a prêché, il dit, depuis les prophètes jusqu'à la claire. Ils ont même apprécié, mais ils n'avaient toujours pas de révélation. Donc, comprendre la parole, ce n'est pas connaître Jésus. Il faut qu'il serve à toi. Ils ont accepté à tel point que, comme il continue, il dit, tu ne peux pas partir comme ça. Viens quand même avec nous, c'est très intéressant. Jésus faisant d'aller. Il dit, non, viens. Vous voyez d'ailleurs, et il était avec eux. Attends, continue à parler, c'est bon pour toi, mais il faut que ça entre. Amen. Et c'est quand Jésus prend le pain, il rend le pain. Amen. Et il regarde, oh, mais c'est lui. Mais c'est lui, vous avez marché avec lui, vous savez pas que c'était lui. Toi lui-même, c'est le bonheur. On demande la révélation comme l'être mort. Apprécions cela. Quand tu as reçu la révélation, je crois que hier, ce matin, je crois que mon problème était là depuis le début, que le sacrificateur, que ceux qui
Nous voyons la lumière pour nous parce que nous sommes enfants de la promesse. Que les autres ne voient pas. C'est parmi ceux qui ne voient pas, il y en a qui sont méchants. Mais nous, nous devons comprendre. Parce que nous qui avons reçu. Celui qui a reçu, il ne doit pas être méchant. Je donne souvent cet exemple. Vous, comme le match d'eau ne parle toujours. Michel, vous êtes chez moi, match de football. Quand Mazembe, les soutenants, les choses de Mazembe, quand il part derrière, il dit en route de la compagnie, il dit allez, vous voyez, c'est comme ça, vous gagnez, allez, il passe comme ça. Mais ceux qui n'ont pas gagné, c'est de l'eau. Ceux qui sont méchants, c'est Mazembe peut être en pourquoi on n'a pas gagné pour vous frapper? Non, non, ils sont contents. C'est toi qui n'as pas gagné, dit, tu veux n'importe quoi, parce que tu n'as pas gagné. Celui qui n'a pas reçu, il est méchant. Celui qui a reçu n'est pas méchant. Il ouvre vos programmes à l'école. 20. Toi, tu es premier avec 90%. Tu vas t'entretenir à bon temps. Et l'autre, il est le dernier, 10%. Celui qui a fait le problème, c'est celui qui a gagné. Non. Celui qui n'a pas gagné. Et vous faites comme ça parce que la cause de votre dramatique. Non. La parole de l'âme, il est dit, j'ai gagné. C'est ça le problème. Amen. C'est bon, hein? Assieds-toi, Jean. Si nous avons gagné, si nous avons reçu la révélation, c'est nous pleurons de joie. Mais nous n'attaquons pas les autres. Ce n'est pas moi qui peux vous donner la révélation. Moi, je peux vous donner la parole. Et même si j'ai bien prêché, ce n'est pas la meilleure prédication qui vous donne la révélation. Pas du tout. Jésus a bien prêché, la révélation n'est pas venue. Mais il a rompu les pleurs parce qu'il a tourné à ce moment-là. Marie a été jusqu'à là, elle a pleuré, qu'est-ce que j'ai fait? Il était là. Il était à la lettre, je vois qu'il pouvait venir même jusqu'à tout près, il n'allait pas comprendre. Mais même s'il est à distance, s'il appelle Marie, elle comprend son mari. Tu as été appelé de ton nom parce que tu étais élu. Et c'est pourquoi tu as reçu. C'est comme les prophètes, ils ont prophétisé. Mais même les anges, ils regardaient à distance, voilà là. Parce qu'ils savent ce que nous recevons aujourd'hui, même les prophètes ne l'ont pas vu. Nous avons une chose extraordinaire, amen. Ce qu'on appelle les enfants de la promesse. Amen. Être appelé enfant de la promesse, être appelé à être enfant de la promesse, c'est une grâce de Dieu. Amen. Et que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Nous vivons dans le siècle mauvais. Nous vivons dans un siècle mauvais qu'on appelle les jours mauvais. Où il y a des ténèbres sur toute la terre. Et il a plu à notre Dieu, bien-aimé. Il a plu à lui. Que à travers ces ténèbres, c'est un résumé que j'ai fait de ce que nous avons vu aujourd'hui. Que dans cette souillure, toi et moi, par sa grâce, nous serions appelés à venir, à voir ce que les gens ne voient pas. C'est le papa. Il est quelconque disposition de notre cœur, mais maintenant, ce n'est pas à cause de nos efforts, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents. Ces choses-là, on ne les comprend pas, on ne le reçoit. Ce n'est pas un incident, parce qu'on est. Connaître la lettre de ce qui est dit, c'est bon. Mais on recevoir la révélation. Comme j'ai dit ici, Frère qui a dit, nos pères se révoltaient, n'ont pas été attentifs. C'est ça le psaume 106 que j'ai lu. Dieu m'a compris. Recevoir une bénédiction. Recevoir ce que nous avons dit ici. Recevoir tout ça. Et ne pas regarder, ne pas demander à Dieu de voir ce qui vous concerne vous, personnellement. Et vous, quand ils sont là, ils ne regardent que là, on m'a prêché. C'est ça. Tu ne peux pas recevoir la chose à ce de moi qu'il s'agit. Non. La parole de Dieu est adressée, c'est Dieu veut, c'est une bénédiction pour toi, dans un temps comme celui-ci, un temps de ténèbres. Que le Seigneur, notre Dieu, nous donne ce sentiment-là. Que nous puissions apprécier, comme on dit, apprécier, savoir, être enfant de la promesse, ce n'est pas n'importe quoi. Et être candidat à vivre les promesses qui vont, parce que les choses ne sont pas finies. C'est une bénédiction de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous.
la fois prochaine, maintenant nous verrons la nourriture spirituelle et toujours avec la même profondeur. Que Dieu vous bénisse richement et les bonnes intentions, les avons déjà. Et maintenant, la grande intention, je vais prier pour vous si vous me gagnez la tête avant d'appeler le pasteur et que les votes. Notre Dieu et notre Père Céleste. Ces choses sont cachées, comme tu dis, et révélées à ceux qui sont comme des enfants. Et tu n'as pas révélé pour que nous en fassions ce que nous voulons. Seigneur, c'est révélé pour que nous puissions, nous qui avons reçu la parole, revêtir l'image de Jésus-Christ, être semblable à Jésus-Christ et apprécier ce que tu as fait. Tu as fait une chose pour moi, Seigneur. Tu as fait une chose pour mon frère. Tu as fait une chose pour ma soeur. Je ne perdrai pas mon temps à attaquer ceux qui n'ont pas reçu, mais à te louer, toi, Seigneur. Donne-moi de te louer, et la meilleure façon de te louer, c'est de chercher à te ressembler. Chercher à vivre ces choses dans mon cœur plutôt qu'à les chanter dans ma bouche. Encore de réunir dans mon cœur. Bénis cette église, bénis le pasteur. Bénis la chorale, bénis chaque frère et chaque soeur. Et bénis tous les bénis du Seigneur qui sont non seulement ici avec nous, mais ici aux États-Unis, partout et dans le monde entier. En nous souvenant en particulier de notre bien-aimé frère Franck, qu'elle soit les cibles de l'ennemi plus que nous tous, Seigneur. Bénis tes serviteurs partout où ils sont. Accorde à chacun, même ceux qui sont ici, et même que la bénédiction aille même sur ceux de cet amène-là qui sont peut-être empêchés, mon frère Delo, qui est en voyage. Tous, tu le connais tous, Seigneur, tu connais aussi. Tu connais tous ceux qui t'appartiennent. Accorde-nous cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.